C'est pour vous, regardez. Let's speak the comment elle l'équipe dans District County Moka il fait un petit progrès pour améliorer le travail. Longtemps, scavenging service est géré par 10 Dimoun. Aster, un seul officier peut contrôler service là complètement grâce à la technologie Global Positioning System, GPS. L'on a un écran, il trouve que tout camion était et les gars rapport ramassage chaque minute. Aster, avant qu'un habitant connu qui se saltait pas encore ramassé, District Council finit connu. Même Diesel nous connaît comment chaque litre est consommé. GPS donne nos kilométrages, l'heure commencée, l'heure finie, que travail peut faire et si travail il fait ou pas. Overtime Aster peut faire efficacement et paiement overtime fait à travers rapport satellite. Nous avons aussi observé qu'il nous l'inventaire Diesel et stabilisé en fonction combien de kilomètres nous même camion roulé. Zordi, nous coupons pour ramasser un tonne saleté imbécé et nous-mêmes capables de calculer avec précision performance et les boueurs. Ce nouveau système-là aussi donne une possibilité pour gérer un véhicule de réparation, servicing, maintenance la roue, fitness et déclaration ainsi qu'un même coût associé. Kilométrage véhicule aussi géré par GPS au lieu de odomètre. Au final, nous négligeons nos flottes véhicules à travers logbook, mais à travers technologie GPS qui est plus précis, efficace et fait nous économiser. Dans le département planning, nous pouvons servir Geographical Information System GIS pour faciliter le procès pour approuver nous. Toute application pour permis construction et développement de la terre gérée par système GIS. Va nous conseiller qu'on prend développement là plus clairement et en même temps analyse tout mon document qui est relié. Va interaction dans le comité, vite plus technique et ça permet de nous prendre la meilleure décision. Quand nous recevons application, nous montrer appliquant ce développement l'OGIS. GIS. La plupart des paramètres Alpine Scheme et la zone inondée une finie à la database GIS, ce qui donne nous possibilité pour déterminer l'application avec agilité, précision et dans la transparence. Cette année-là, tout nous bat la rue, la lumière, bâtiment, la plaine football, volleyball, pétanque court, road marking pour gérer par Asset Identification Solution AIS intégré dans le système GIS. Lors tout ce man asset-là, nous permettons un QR code qui est lié avec le AIS. Le AIS pour gérer par une base de données qui accumule toute activité qui fait à l'homme asset en question. Ce système-là pour permettre nous et dans une gestion complète l'on nous man asset et assurer qu'il entretient peut faire dans une façon scientifique. Nous pouvons aussi servir un drone avancé pour aider nous gagner un visuel rapproché de nos régions lors laquelle sa base AIS pour intégrer. Avec ce type d'innovation-là, nous trouvons que le district council peut fonctionner mieux. Complète le scavenging fin bien diminué, nous avons une décision dans le planning in ligne plus efficace et information in ligne plus accessible pour management et conseiller vers le travail et prendre décision efficacement. Une autre innovation que district council in amené, c'est l'introduction d'un project management system qui nous appelle Council Project Management CPM. CPM intègre plusieurs fonctions bas département dans un seul système. Il aussi aide le district council faire suivi projet dans tout ce bas de l'État, depuis conception projet, détail technique, procurement, implémentation et gestion ce bas de fonds. À n'importe quel moment, CPM permet de nous vérifier quand un projet est arrivé et s'il y a un retard, CPM permet de nous prendre une décision pour rattraper le retard. CPM, en gros, est un outil indispensable pour mesurer la performance de nos staff qui exécute le projet. Il est aussi aide management faire suivi continu pour diminuer le gaspillage des temps, matériaux et ressources humaines. Nous mettons en place un control room pour amener toutes nos fonctions informatiques importantes ensemble pour assurer une meilleure efficacité et ça permet de nous gérer mieux les complaintes qui nous recevons à travers Citizen Support Portal qu'ils mettent en place par le gouvernement. Avec développement informatique, beaucoup d'informations qui étaient disponibles avant, une vie facile pour nous accumuler. Tout rapport scavenging, projet en cours et activité welfare capable de visionner l'on bas de l'écran télévision qui est placé partout dans le bureau. Nous appelons ça Integrated Reporting System, IRS. Bas rapport n'est plus reste empilé dans le dossier. Zone visible automatiquement long l'écran pour tout officier suivre progrès travail à n'importe qui l'air. Officier, pas besoin d'attendre le prépare rapport, les générer automatiquement. Integrated Reporting System IRS pour une deuxième version l'année prochaine que tout pour intégrer avec Business Intelligence. Business Intelligence comprend toute l'information générée par les autres systèmes
et intégrer eux dans IRS District Council pour qu'ils nous gagnent un bon rapport global. Par exemple, nous pouvons gagner information sur l'impact qui va en développement privé dans nos régions pour aider nos nouvelles infrastructures à la route, la lumière, drain et services sociaux. Ça vous permet District Council d'optimiser ce investissement et ressources dans ce territoire et prendre bonnes décisions lors priorités qui visent de bon projet. Ça niveau l'information pour arriver début 2019 et il peut transformer District Council Moka en une institution innovante, moderne, high-tech et efficace. Et plus important, il peut permettre nous apporter un service d'excellence à tous nos habitants.